Salut tout le monde, c'est Hugo et Antoine pour Hello Superette. Aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer comment réaliser une robe aux épaules dénudées. Pour cela il vous faudra environ 1m50 de tissu et environ 2m d'élastique. On va commencer avec un petit peu de maths. Vous mesurez votre tour de poitrine et vous divisez par 2 et vous rajoutez 15 cm pour que ça fasse de jolies fronces. Par exemple, pour un tour de taille de 82 cm, divisé par 2 ça nous fait 41, plus 15 cm ça nous fait 56. Alors on vous conseille de rabattre chaque côté de votre 1m50 de tissu vers le milieu, comme ça vous pourrez découper le dos d'un côté et le devant de l'autre. Allez, on pivote pour que ce soit plus clair pour vous. Du coup on se retrouve avec le haut de la robe à gauche et le bas de la robe à droite. Alors vous reprenez la mesure qu'on a calculée juste avant et vous la divisez par 2 parce que le tissu est au pli, pour nous ça fait 28 cm. Et ensuite on vient marquer la longueur de la robe qu'on a faite à 75, vous pouvez la faire plus longue ou plus courte selon votre taille. Et ensuite, à l'aide de ces deux mesures, vous pouvez découper soit un rectangle, soit un trapèze pour que votre robe ait une forme plus évasée. Alors nous, on a décidé de la faire remonter sur les côtés, mais vous pouvez très bien la laisser toute droite. Voilà pour le devant, vous pouvez vous en servir de modèle pour le dos en utilisant le tissu qu'il vous reste. Allez, encore un tout petit peu de calcul pour les manches. Vous prenez votre tour de bras et vous ajoutez 10 cm pour les fronces. Donc avec un tour de bras de 30 cm, ça nous fait des manches larges de 40 cm. Et comme notre tissu est toujours plié en deux, on fait une marque à 20 cm et on a décidé de les faire longues de 30 cm. On a aussi décidé de les couper en forme de trapèze pour qu'elles soient plus évasées. La découpe c'est fini, vous devriez vous retrouver avec un devant, un dos et deux manches. Vous assemblez le dos et le devant endroit contre endroit sur les lignes de côté. On a utilisé un point droit et n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Et on fait la même chose pour les manches, toujours endroit contre endroit, au point droit, avec un point d'arrêt au début et à la fin. On va passer aux fronces de la robe. Pour ça, vous formez un petit ourlet sur le haut de la robe d'environ 1 cm de large. Vous épinglez sur tout le tour et vous faites attention de bien écarter les coutures des côtés et on vous conseille de bien les repasser. Et vous cousez nervure sur tout le tour de la robe pour laisser la place à l'élastique, en veillant à laisser à la fin 10 bons centimètres pour pouvoir enfiler l'élastique. L'élastique justement, vous reprenez votre tour de poitrine et suivant l'élasticité de votre élastique, il vous faudra enlever de 5 à 10 cm. Pour nous, c'était plus 5 cm. On vient ensuite enfiler l'élastique dans l'ourlet et on vous conseille vivement d'utiliser une épingle à nourrice parce que c'est un peu galère. Et une fois que c'est fait, vous assemblez les deux bouts de l'élastique. Vous piquez et vous refermez l'ourlet là où vous l'avez laissé ouvert pour enfiler l'élastique, en faisant bien attention de ne surtout pas le piquer. Et vous faites exactement la même chose pour le haut des manches, un petit ourlet, vous épinglez. Vous cousez en laissant un espace de quelques centimètres. Vous enfilez un élastique de la taille de votre tour de bras moins 5 cm. Vous cousez l'élastique et vous refermez la petite ouverture que vous aviez laissée pour l'enfiler. Prenez le temps de répartir les fronces sur tout le tour de la robe et pour assembler les manches à la robe, il suffit de faire coïncider la couture de la manche avec la couture d'un des côtés de la robe. Et vous faites un aller-retour d'à peu près 2 cm sous la machine. Et il ne vous reste plus qu'à faire vos ourlets au niveau du bas des manches et de la robe. Et votre superbe robe de plage aux épaules dénudées est enfin terminée. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez cliquer ici pour réaliser votre t-shirt ajouré. Suivez-nous sur Facebook et Instagram sous le nom de Hello Superette. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et on vous fait des gros bisous.